Bon, il va falloir dégager ce tas de merde. Attends que le moteur tourne pour pouvoir y foutre dedans. Ouais, voilà, ça on s'en fout, ça sert à rien. Le truc, c'est de virer ça pour lui faire faire un créneau et de la dégager par là-bas pour la sortir et pouvoir travailler dessus. Faire un engine swap, comme disent les Américains. Ceci est une autre. Dans le sens ? Ouais, dans le sens maintenant. Top, on va ripper l'arrière. C'est guenille, hein ? Ouais. Ah, il y avait la musique, hein, quand même. On va s'arrêter juste sur la marche. De toute façon, elle va s'arrêter. Ah, c'est bon. Prêt ? Ouais. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, on est pas mal là pour... Ouais, ça va le faire. Ouais. Encore un peu. Ouais. Bah, c'est bon. Ah ouais, fais-le monter là. Une longue corde ou... Ça ferait une belle luge pour les enfants en milieu. Bah, elle est neuve celle-là. Garde. Elle est nickel, hein. Ouais. Quand, ouais. Je pense que ça doit venir. Hein. La façade. Ah, il y en avait encore un. Ouais, c'est bon.
Alors ça, c'est les fourchettes d'embrayage d'origine. D'accord. C'est vraiment de la merde. Ah, elles sont pas mal, ouais. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a un moteur d'origine qui est complètement nul. Ouais. Équipé de plein de choses complètement inutiles. Et d'un état peu reluisant. Pour tout le chauffage. Ça sent la stabule. Et vu qu'on a préparé un moteur à la qualité assez dingue, et ben ça, il nous fallait une voiture à la hauteur en fait pour l'essayer. Et ça va aller là-dedans. On essaye ? Ouais. Moteur allégé. Ah ouais, il s'est orienté comme ça un peu. Là. Elle est trop basse. Trop basse. Attends. On prend le compteur. Tu le tiens ? On le compteur, non ? Non, je le tiens sinon. Ça y va. Marrant ça. Attends. Ah, c'est bon. Ah ouais. Yes. On essaye de mettre 2-3 boulons pour voir. Ouais. Voilà, voilà, c'est mordu. Tu vas bien essayer de faire tourner quand même. Non. Attends. Je vais en mettre en bas aussi. Oula la poule. Et la douille là derrière. Dédé la douille. Il est pas branché. Non. Il s'est pas coincé. Bah justement je sais pas. Enfin je mets mon doigt. Ça va. Non c'est bon. Tu le décoinces. Hein ? Il est décoincé ? Moi je le fais tourner pour décoller les charbons. Ah. Ah mais c'est les coups indesserrables ça. Ça c'est bon. Voilà, suffit d'y taper sur la gueule. Voilà, et ben notre moteur préparé est en place dans cette AMI 6 67. Et nous sommes prêts pour un essai routier. On va essayer de la démarrer déjà. Et puis, bon, de toute façon, il a bien démarré hier, tout devrait bien se passer. Oui, j'ai refait la pointe d'huile, on a mis de la sueur pour éponger ce qu'il y avait. Puis... Le surplus, voilà. On a monté le ventilo aussi, qui n'y était pas. Uh-huh. Puis le reste. Filtre air sport. Filtre air sport, évidemment.
Puis ouais, c'est tout, les hein, bougies sont neuves. Même plus, hein. Faudra juste s'arrêter pour resserrer les colliers d'échappement à chaud. Ouais. Puis sinon, ça ira. Ouais. Je vois pas ce qui pourrait mal se passer. Non. Bon, allez. Bon, allez, allons-y. C'est ça? Là, t'es au ralenti, c'est bien. Ouais. Bah, elle marche pas. Il est dedans, bien. Il est pas dedans, je crois. Il doit entrer en goupillon, non? On va voir comment ça fait. Comme ça, je pense. Ça va répondre. Ouais. Tu l'as pas en liquide, ça? Non. Là, je l'ai acheté en dessous, d'accord. Accessoire. Bon. C'est qui le patron? Maintenant, il est où le fil d'alimentation? Il est dessus, là. Ah, il est pris, là. Ouais. Okay. Bon, bah... Eh bah, tu peux te mettre au comme néant. Tu m'as dit d'aller au ralenti, hein. Le motoculteur est au ralenti, donc le starter, t'as pas y touché parce que tu peux pas. Contact. Ouais. Ça se trouve, il pompe tout le jus, ce truc. J'essaye un coup de démarreur sans. Ouais, mais il est moisi, ce truc. Tu l'as. Batterie vidée. Contact, il est vraiment pénible parce qu'il n'y a aucun endroit pour l'accrocher en fait. Ouais, enlève-le là. Non, je vais l'accrocher là. Ouais, il est chiant. Après, c'est une voiture préparée. Ouais. Pourquoi il s'est coupé là d'ailleurs, tu crois, tu sais? C'est quand j'ai débrayé. Ah ouais? Ouais. Ouais, parce que ça frotte. Mets-lui un peu de gaz. Ouais. Il y a un tout petit peu là, tu me dis contact. Ah, un peu plus. Ouais. Vas-y. Non, il faut que les soupapes se rôdent un peu en fait. Je pense que l'arbre à câble est un peu neuf. Ça va se faire. On y retourne. Vas-y. Elle a bougé. Y'a pas le frein à main? Non, non. T'avais mis à fond les gaz? Non, je pas à fond. Ouais, mais fous-y à fond. Ouais, mais pour la marche arrière, je vais éclater la boîte si il est dans les tours. Ouais. Attends, vas-y, je le remets. Oh.
faudrait peut-être qu'on voit l'allumage, non? Le quoi? Quoi? L'allumage. Hein? L'érupteur, le condensateur. Bon, on l'a changé, on l'a pris celui de la Charleston. Le quoi? Bah l'allumage, là. Oui. Il est chaud, d'ailleurs. Comment ça? Ah non, ça va. Ça, c'est le démarreur, ça. Ouais, l'allumage. Bah il va, là. Bah voilà, je dirais que c'est assez convaincant comme essai. C'est un petit moteur qui est bien vaillant, qui a bien du potentiel. Il y a un bon gros rodage à faire, mais ça c'est les moteurs, c'est les moteurs préparés. Il faut au moins 2000 km de rodage dans les règles de l'art, donc à fond. Et le ralenti est un petit peu chaotique, mais c'est les arbres à cames retaillées, ça. Ouais, arbres à cames retaillées, c'est des moteurs qui sont faits pour prendre les tours. Ouais, du coup, 3000, y a pas grand chose, du coup, il n'y a rien en fait. Ouais. C'est un moteur qui prendra 9 lunes, ça. Oh, à peu près, ouais. Je pense qu'on en sortirait bien 40-45 chevaux. Ouais, facile, ouais. Donc là, après rodage, on commence qu'il sent à bien se libérer. Il s'est déjà libéré dans la descente. Ouais, la descente, et puis là, Après rodage, je pense qu'on aura bien 45 chevaux. Ouais. Pour faire de l'autoroute, ça ira mieux. Autoroute, circuit, Ouais. On l'amènera à Spa. Puis on l'amènera au banc, ouais. Faudra puis après, elle sera prête pour Spa. Saison 2023. Elle sera à vendre. Puis oui, elle sera à vendre, ouais. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est pas de garder des trucs comme ça, c'est de le faire pour les gens, pour des vrais passionnés. Quoi. Voilà. On fait ça, on le vendra, puis ça laissera de la place à un prochain projet. Et puis voilà, ça financera d'autres, d'autres projets. Tout aussi dignes de ce nom. Un travail de bonne facture et de qualité. Bon, et encore un essai concluant. Ouais, non, mais c'est... C'est vraiment pas facile à régler les moteurs préparés. C'est normal. Hein, mais ça se fait, normalement, ça se fait sur banc, ça se fait pas sur un terrain comme ça. Et puis après, là, on a du matos professionnel aussi, donc forcément, ça prend du temps, mais ça permet de faire des réglages fins. Faut prendre le temps de faire des bonnes choses, j'ai envie de dire, c'est comme les cuisines. Le caméraman est malade. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que c'est quand même assez facile de faire des moteurs et peu onéreux pour un peu qu'on soit outillé pour les trucs de l'usage courant, qu'on ait de la connaissance de l'expérience aussi, l'expérience des moteurs de deux chevaux, aide, hein. Ouais, puis si on n'a pas trop de connaissances, on a des bouquins, quoi, ça se trouve, ça. Ouais, et puis toujours utiliser aussi des bonnes bases, hein, partir sur un bon bloc moteur. De toute façon, vous avez tout vu dans les vidéos, donc maintenant vous savez faire. Ouais.
On vous donne clé en main les solutions pour faire vous-même à la maison, hein, avec peu de matos. Hein, mais... Faut juste sélectionner des bonnes pièces et consacrer le temps nécessaire. Ouais, voilà. Voilà. Faut pas lésiner sur le temps. Non. Ouais, exactement, exactement. Ouais. Les moyens, on peut s'en sortir, mais le temps, par contre. Ouais, voilà, faut prendre le temps. C'est une des rares richesses. La précision aussi, hein, la précision, ouais. On n'a pas assez insisté là-dessus. C'est vrai qu'on. La persévérance. Ouais, 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 ouais. Ouais. Et puis après, voilà, il y a un moteur qui crache, hein, vous avez pu le voir. On sent qu'il y a des chevaux. On sent qu'il y a des chevaux après. Non, 220 ouais. Ouais. Voilà, donc. Voilà, donc pensez à vous abonner surtout pour voir d'autres vidéos de qualité comme ça. Ah oui. Hein, ça c'est important. Hein. Merci d'avoir regardé. Mettez un petit pouce bleu, surtout le pouce bleu. Et puis pour encourager l'amour du travail bien fait, quoi. Ouais, ouais, un petit pouce noir. Ouais. Un petit pouce. Oh, ce serait bien d'inventer. Voilà. La monnaie YouTube, pouce noir. Ouais, ouais. Bah voilà, bah nous maintenant on va finir de roder tout ça, puis on enquille les 500 bornes d'autoroute pour aller chez EMS Motorsport. Exactement, faut qu'on la passe au banc. Donc, faut la passer au banc, puis faire la carte. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, ça, hein, quand elle passe au banc, tout ça. Voilà. Allez, et bah. Salut les amis, à bientôt. Merci à Lou et à Henri hein, pour cette, ce cours de mécanique magistrale. Et on y va. Allez. Et bah, qui c'est qui pousse. C'est merdier quoi. Huh.